Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Et toi, t'es un gnosso. Biloko ya 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 congolais. On est là, 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 Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon voyez pas y'a sinon voyez y'a dit mon commande quoi la note t'es pas note t'es bio y'a mboka y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour la mon kanja isali barubi nzoa moi y'a dit en Cuba paniwa barubi enjenge isali ya komba kanja yesu mboto y'a mbise ça barubi niya ba y'a mboto y'a mboko mboto y'a gane kala ngando n'en gala y'na basi Na soutou Ezako liya na peti Bon maman mande Ya solo Bon pas qu'on comprenne te Mawa Bon congolais Où allons-nous Où allons-nous Bon na koliya na pino moko Bon congolais Bon congolais Koliya na a peti Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info. L'actualité, c'est la marche qui a été finalement arrêtée de Martin Fayulu par la police. Je voudrais quand même qu'on réfléchisse sur cette question de la marche. Il faut rétablir la vérité, parce qu'il faut dire la vérité aux Congolais. Deux points de vue sur la question. La première chose, il faut rappeler qu'au Congo, pour marcher, on n'a pas besoin d'une autorisation de l'autorité urbaine. On n'en a pas besoin. Nous sommes sous un régime d'information. Quand on informe à l'autorité qu'on veut marcher, l'autorité n'a qu'à prendre des mesures pour nous accompagner. L'autorité n'a aucun pouvoir d'arrêter la marche. Pas du tout. Sur le point de principe, c'est comme ça. Mais maintenant, il y a aussi un contexte, le contexte. Le contexte vient sauver l'affaire dans la mesure où, lorsque l'autorité urbaine estime que vous ne pouvez pas marcher, il doit vous fournir des raisons au moins 24-48 heures avant. Ce n'est pas dit clairement comme ça, mais il doit quand même vous fournir des explications. Pourquoi il vous refuse de marcher? Et vous devez être notifié que, bon, voici, on ne pouvait pas marcher pour telle raison, telle raison, telle raison. La police n'est pas prête pour vous protéger, pour vous sécuriser dans telle dans ceci et cela. On doit vous le dire. Il faut qu'il y ait, par exemple, des travaux de construction sur la voie, hein, sur la chaussée, il faut qu'il y ait des cas où maîtrise en côté, la rentrée des classes, tous les éléments doivent être là, voyez, pour empêcher à ce qu'une marche se produise. Mais dans ces cas, il faut peut-être penser à une sorte de délocaliser la marche, dire que bon, d'accord, on vous laisse marcher, mais l'itinéraire est zaki boué, mais vous avez souhaité comme boué boué pour des raisons boué 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 boué. Ce que je suis en train de dire ici, c'est ne pas la loi qui le dit, mais c'est ce qui devrait être fait. Comme ça se passe ailleurs. Mais nous, la loi est claire. La loi dit, lorsque les manifestants demandent de manifester, les organisateurs de la marche, Sengi va manifester, l'État a l'obligation de protéger Bango, à mettre Bango place, il faut pas que ça marche dans Bango, et puis à encadrer Bango. Mais maintenant, on nous a promis une loi organique. Promettre une loi où il faut inscrire, il faut prendre l'union sans considération. Mais nous n'avons toujours pas cette loi-là en vigueur. Nous n'avons toujours pas vulgarisé le texte en question. Ça veut dire simplement que l'État a gardé, a consacré une sorte d'anarchie. Si vous voulez, de l'arbitraire. Parce que interdire à Martin Fayulu de marcher, que ce soit sur la Lune, na Mars, ton Jupiter, ça s'appelle de l'arbitraire. C'est l'abus de pouvoir. Et là, parce que ils ne sont pas si... Bon, je ne vais pas te dire ça, mais il y a un problème.
Parce que du moment où vous sentez que l'autorité urbaine s'oppose à une loi, à un droit, ou donc la Constitution vous confère, on saisit le Conseil d'État pour annuler la décision. L'avocat aurait pu, naba avocat naye, au lieu de constater le spectacle, l'avocat aurait pu saisir le Conseil d'État pour annulation de la décision de l'autorité urbaine. Mais l'avocat ne l'a pas fait. Comme toujours, bah l'ingénieur Tambolaga, bon, bah bon, que bah brava qui l'État et tout. Or, biloko, bah on s'en a eu. Bah si, bah ça l'ont déjà calabayé bien. Faisons la politique autrement. Faisons la politique autrement. Laurent Désiré Kabila, disons Félix, Joseph Kabila, à la Kisaka, je crois qu'il nous a enseigné quand on était encore dans l'opposition. Il nous a littéralement enseigné. Il nous avait montré une chose, que l'insuffisance, il y a pouvoir na bango, et là qui, disons, insuffisance, c'est ma kanisi na biso, et là qui force na bango. Ça veut dire, lorsque ton nom, ça va marcher, bon, qui dit na marche, bon, ma pekisibino, l'opposition, na taona, ton nom, on saisit le conseil d'état. Or, il fallait tout saisir le conseil d'état en ce moment-là. Mais le fait pour la biso, que nous saisir le conseil d'état, tout ça dit qu'on épuisait ma voix, na biso, et du coup, on n'a pas totalement raison. Parce que vous avez raison devant la loi, lorsque vous avez épuisé tout les voies au bazo garantir bino nango. Nous aujourd'hui, au toki ko marché, bo bito to marché, bo annuler des zones abisso. Le même jour où vous annulez la décision, nous saisissons le Conseil d'État pour annulation de votre décision. Et du moment où le Conseil d'État annule la décision de l'autorité urbaine, nous avons le courage de marcher. Nous allons marcher parce que l'autorité urbaine va se rebeller na autorité établie, et donc, nous devons devoir se respecter. Mais quand on veut faire la politique, il y a populisme. Bah, mon ambition, que tu as danger, tu as gagné, tu as gagné, tu oui, on fait comme ça. Mais il y avait une voix qui est là. On va dire non, toujours croire dans le Conseil d'État, et là, bango na bango. Alors, si vous ne croyez pas dans le Conseil d'État, et là, bango na bango, pourquoi vous envoyez l'itinéraire? Pourquoi vous envoyez l'itinéraire na autorité urbaine si vous n'avez pas confiance dans bango? Le problème, est Ali, suite na ba idée na biso. Nous, on a un problème de suite na ba idée. On a un problème d'analyse. On a un problème de compréhension. Il y a problème. Monsieur Martin Fayulu le savait. Au fond de lui, a yebi que Bapé Kissinga na marché. A yebi, peut-être qu'a yebité, mais bon, je ne sais pas. Mais a yebi que Bapé Kissinga na marché. Mais il y a une possibilité à Conseil d'État. On a saisi le Conseil d'État. Politiquement, ça fait de vous un homme instruit, un homme civilisé. Un homme qui aime la procédure, qui aime le texte, qui suit la procédure. Moni, et comme ah ouais la procédure, à Bandaki pena ah ouais, et s'inviter à quel Conseil d'État. Donc c'est bon, c'est quelqu'un qui comprend la loi. Et au niveau du Conseil d'État, si on confirme la décision de l'autorité urbaine, parce que quand vous cessez le Conseil d'État va vous regarder la le comment on appelle. Respect à la texte, ce que ça a peine pris dans les bonnes conditions. Ce que ça a pris dans les bonnes conditions, l'autorité, disons le conseil, va annuler la décision administrative et l'autorité urbaine. Mais ce qui concerne à Monique, l'autorité urbaine a raison, vu qu'on est à lobby, argumentaire, et ça consistant, l'autorité, ça veut dire le conseil d'État, peut décider de maintenir la décision de l'autorité urbaine. En ce moment-là, les participants, les organisateurs de la marche doivent reculer. Ça, c'est sur le point politique. Mais maintenant, allons dans la forme. Monsieur Martin Lobby a dit Bangwa, ça marche pour qu'on réussisse annulation. Il y a station, il y a Minimbo. Soyons sérieux. Roubaix Ouaddi. Au cours d'une vidéo, Roubaix Roy dit clairement qu'il n'a jamais installé une commune. A installé même bourgmestre était. Il n'y a jamais eu installation, il y a bourgmestre. C'est Roubaix Roy qui le dit lui-même. D'un côté, vous avez le chef de l'État qui a demandé la surséance jusque-là. À Sengiba, sur Sorayango. Il n'y a pas deux jours, un groupe yaba congolais va saisir le Conseil d'État pour annuler ma décision administrative au Ezoama Kiwana. Au moment où nous parlons, l'Assemblée provinciale va tirer au clair situation. Anna. Un peu pour dire que le but pour lequel vous voulez marcher est déjà pris en charge. Et dans le cas où on a dit, on a dit, en tout cas, ceux qui ont l'ambité, tokotambola. Mais pendant que bino bozo linga bo préparer kotambola na bino na bayebina bayina biloko na cuisine. Balingi banda kolamba. Suko botambola na suni.
Au monde, il est comme une diversion, et comme une distraction. Parce qu'en réalité, le but pour lequel Bolingo Tambola, ce but a été déjà sauvé, l'affaire a déjà été sauvée. L'affaire a déjà été réglée. On n'est plus dans l'hypothèse. Alors, qu'est-ce que l'on veut? Soit on veut faire ce qu'on faisait à Kabila, dans l'opposition à Kala. Kabila doit dire qu'il ne va plus se représenter. Ou Bolingo Tosala Mobongo. Ce qui est Bolingo Tosala Mobongo, alors que vous n'aurez rien appris dans Makambo Italéo et Likina Mbokanabiso. Tolobaka yango à la fois passé. Lorsque la chose est à clarté au départ, sous Congo de la AK compliqué. Où est dans les premières actions, il y a Martin Fayulu en tant que président, pardon, coordonnateur, il y a la Mouka. Première action, tu as la suite, solution en haut. Solution en haut, suite en haut. Première action, première ratée. Ce n'est pas bon, ce n'est pas des bons signes. Ah, dans le Bongo, les gens vont dire que osa contre Martin Fayulu, t'es na contre Martin Fayulu, t'es na pourri, t'es na contre été. Je suis du côté du bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire que marche au Bolingo Tambola pour annuler l'affaire à Minembo. Cette histoire de Minembo est déjà annulée. Donc, on n'a plus besoin de marcher pour la question. Ce qui est Bolingo Tambola pour une unité nationale. En ce moment-là, on peut encore comprendre. Au Bolingo Tambola pour une unité autour de la question de Minembo. Cette question de Minembo est déjà prise en charge par l'État. Il faut maintenant mettre la pression pour que l'État congolais soit clair dans l'engagement. Le problème, Yangwana. Moi, je pense que marche c'est une respiration démocratique, ce n'est pas mauvais. Mais il faudrait que les marches aient un soubassement. Il faut que les marches soient portées finalement par ma proposition de réforme sur des questions bien, bien précises. Je pense aujourd'hui, ce que M. Martin Fayulu devrait faire, moi je pense, il prend son avion à Kemenembo. Il va conscientiser les Congolais qui vivent là-bas pour leur dire, voici mon point de vue, Yango. Il peut le faire. Parce qu'il pense qu'il peut régler la question. Mais il peut le faire. Et dans ma bêtise, c'est aussi bien pour Nabisso. C'est aussi bien pour le pays. Seuls les tout petits esprits, les petits excités hein, qui racontent leurs histoires dans les Twitter, dans les réseaux sociaux, qui font l'opposition dans les réseaux sociaux, dans ma Twitter, dans ma Tobago Lukaga Mukanda, qui veulent justifier Mukanda Nabango. Alors oui, ces gens-là peuvent m'insulter. Mais Bato Bada est pris du bon sens. Qui comprennent que ce que je dis, je n'invente pas. Et vous voyez pourquoi je le dis sans aucun effort? Parce que c'est comme ça que les choses devaient se passer. Si quelqu'un me dit, Christian, tu ne peux pas dire ça, tu connais notre appareil judiciaire. Alors je vais dire, non, mais vous n'allez pas me dire ça. Monsieur Martin Fayulu a dit qu'il était légaliste. Ce n'est pas moi. Il a dit qu'il est légaliste. Et plusieurs fois, il a prouvé qu'il avait encore de l'attachement à la justice d'Ambisso. Il a dit lui-même. Mais monsieur Martin Fayulu, à côté de lui, deux juges Balongoli. À côté de deux juges balongoli, disons, batana ba difficulté. À côté de Libango, le monsieur Martin Fayulu, à Kenaki, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour Nyosso, un mot katambolaki, même à Libanda, à Tambolaki, parce qu'il a montré son attachement à la loi. Donc, quand on est légaliste, il faut aller jusqu'au bout. Quand on est légaliste, quand on me refuse de marcher, je saisis le Conseil d'État. Et j'ai fait montrer, bon, j'ai brandi hein, la photo, j'ai brandi tout dans l'État, dans la population, pour dire, voici ma saisine. J'avais saisi le conseil d'État, mais Pessinga a raison. On peut comprendre. Ça, c'est un point. Deuxième chose, on a contre le fait d'avoir crevé ma pneu de Martin Fayulu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est une destruction méchante. J'estime que la police, tout dans le monde, sérieux, que la police a donc ma pneu de Martin Fayulu. Sous d'autres cieux, quand vous faites préjudice, vous commettez un tort ou vous portez préjudice dans la moto, il faut réparer. Parce que c'est un article sacro-saint dans le droit. Tout fait ayant porté préjudice dans la moto, et c'est une réparation. Moi, je demande, je pense que la police, il faut que ça va pneu, il y a Martin Fayulu. Parce qu'il faut tout arrêter comportement cavalier. La police est outillée pour faire face à la police. La police pouvait, à la place de la police, la police pouvait, on pouvait faire ça. Je pense que il faut éviter que la police a comment n'a pas qu'un modèle on a parce que on a basali Martin Fayulu et ali abus de pouvoir. On basali Martin Fayulu et ali destruction méchante. On dit que tombe la pneu en mototé, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, vous n'en avez pas le droit. C'est un peu dans la même logique que tout le monde en a balabala na biso a roulage à kangi moto à pas picoli plaque. C'est une destruction méchante.
On a vu ça, roulage à comment on appelle, à picoli plaque. Tout le monde appelle roulage, ça doit être un gondo dans moutou, kayamoutou. C'est une infraction, c'est un abus. Un roulage ne peut pas chicoter les véhicules de quelqu'un. Non. En fait, la beauté du droit, c'est quoi? C'est que toutes les infractions, et dans la peine, nango. Et ma belle commission qui a fourré la peine ou dans l'infraction en athée. Une peine qui correspond à l'infraction. Il y a la peine, il y a l'infraction. Je parque mal, oui. La sanction, il y a au parquet dans ma belle et dans le picolon à plaqueté. Non. La sanction, il y a au parquet dans ma belle et dans le coton à la fourrière. Vous avez le droit de coton à la fourrière avec ou sans ma volonté. Vous avez le droit. Parce que la force reste à la loi. Le Congolais doit savoir que ceux qui police à Yakoutiyo, Moutoukanao et parquet place à ma baie. La police n'a pas besoin de te poser des questions. La police peut prendre Moutoukana et tiens la fourrière Bakienango. Yondo Kolana Moutoukanao. Ce n'est pas aux policiers de venir de se justifier, papa, au moins ni au tel. Et ça, la policier était. Ça, les gens devraient comprendre. Aussi. Ceux qui Moutoukanao, tiens au parquet, en place à ma baie, aux athées, au bout de 2, 3, 4 minutes, ça dépend de l'appréciation. Il y a roulage, Johanna. Toi, il y a une police de circulation. Sur la tête, elle a dit, mais il ne peut pas que l'on la plaque. Parce que si on a la plaque, c'est qu'on a l'identité à Moutouka. En ce moment-là, j'ai vu comment. Donc, au Tiki Moutoukana, sans aucune identité. Il faut que tu aies un niveau. Que le roulage de la police, tu aies la police, et si tu aies un cours de l'auditorat militaire, sans monsieur Pekuna, au foutipé, au dédommagenga. Comme je vis le roulage, tabasser les gens, na balabal. Roulage, avait-il mouta moto, ngondo na moutou, roulage. Oh, besoin de casouté. Non. On remet un ngondo te. On remet un ngondo te. J'ai vu un roulage chicoté pour nani mouta moto, mouta moto, tchè mou Congo. Depuis le tchakafo qui a dit que moi, t'y parce qu'il y a un koya. Ce roulage-là a fait ce qu'on appelle en droit les voies de fait. A sali ma voie de fait. Ba okangaye pour na yango. Ou alors a sali cause et blessure. Et ça, ma cause et blessure au roulage ou administré na moutou na moutou. Ça dit, il faut tout changer ma mentalité na biso. Kanda et les kate, attention qui peut kanda et les kyo, tobe nga lingala djale, attention qui peut djale et les ki, tu ne peux pas sortir de la loi. Il faut tirer la kaka na moubeko. Kotobo la pneu, kopanza par prise, kola da moutou na mbasu, policier la nara moutou na mbasu te, atchaka mbasu wana, yonde soko le kyo, tobo li mbasu, ah! Aux ala pour mina yo mais on écoute pour ça dans zolanda oh tu m'engages n'engages la tongamela à tongamela tiens ben tu n'as même zoplo pour aga coacher la coacher le gars en bas sur quoi au kangam non tout ça la chasse ya chasse la sorcière tiens le problème là c'est à nous de décider ce que nous voulons donc mon point de vue sur la question il y a Martin Fayulu pour n'engages la lobby que kotobola bapune nae koluka moyen qu'on empêcher physiquement et ça m'abé. La police pouvait faire bloc. Je ne sais pas à moi de vous apprendre. Vous bloquez, ça s'arrête là. La loi, en fait, on ne négocie pas avec les agents de l'État. Lorsque les agents de la force de la République m'ont dit que vous n'allez pas passer. Et comme la force reste à la loi, vous serez obligé d'obtempérer. Parce que si vous n'obtempérez pas, qui vous prend en charge? C'est l'État lui-même. Mais, police Nabucho, c'est vrai qu'à un moment donné, tout est dans la musique. Mais, Nadol Babou avec beaucoup de retenue, hein, parce qu'on ne sait jamais, est-ce que la police m'a tombé qui m'a pneu benza. Ceux qui est la police m'a tombé qui m'a pneu, alors ils ont m'a bé. Mais ceux qui est la bango moko pour que bat se faire un peu de l'épaisseur, bon, ils ont m'a bé. Mais en tout cas, du point, il y a principe, non, il y a un goana. Mais maintenant, toujours continuer que le baque, tout tomber dans la distraction, s'il vous plaît. Ne tombons pas dans la distraction. Cette question de Minembo est une question importante. Je vois, moi je comprends l'intérêt à Bato Bazanango sur Makambouana. Oui, Balingi, oui, mais évitons ça, ce ne sera pas une très bonne chose. Je m'en vais dire aussi pour l'Église catholique, parce que il faut qu'on a mélangé en haut pour plutôt comprendre la question. Donc, dans le Bipo, Martin Fayulu, comme j'ai tourné l'émission Oyo, pendant que nous tournons l'émission Oyo, il a fait Ezo Salima. Voilà pourquoi vous allez risquer de trouver que l'émission est incomplète. L'émission n'est pas incomplète parce que pendant que je suis en train de tourner l'émission, chez moi, il est 10h. Je suis en train de tourner cette émission à 10h, mais l'émission sera diffusée à 15h. Donc, peut-être qu'à 15h, la marche aura déjà pris fin et les gens risquent de trouver que l'émission est incomplète. L'émission est incomplète, c'était notre tournant pendant que Yusel et Makuna. Alors, il y a aussi une autre affaire. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou mauvais.
Ezali kambou église catholique. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'éclairer l'opinion sur la question. Je suis parent. Moi, je suis parent. Je ne suis pas comme Jérémie, na LG, ou bah, bon, bah, parenté. Moi, je suis quand même un cher parent. Donc, on a conseillé les parents, plutôt de vous aller. On a conseillé les parents, tout ça. On va scolariser les enfants dans peu de temps. C'est vrai que je partage la peine des parents. Ils ont entendu Monseigneur parler. Et bien, lui que Monseigneur a manqué bango respect, Monseigneur a coûté ses divisions, Monseigneur a bébissé Makambu, l'école, l'église catholique, Madame Abbé, a commis ma discussion à modèle Oana. Mes frères, tous à la cas honnête et sérieux avec nous-mêmes. L'église catholique, je crois que Bazan a droit à Kosenga permis, je ne sais pas, tout est pour décider sur qui va être Jean et pas Nabango. Tout ce qui est atteint à l'église catholique, ma fille, personne n'a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Ils nous ont fait ça. Quand on nous a dit qu'il m'a bêté. Quand l'église catholique a décidé sur l'uniforme, pourquoi les parents, pourquoi l'État, pourquoi les gens n'ont pas dit non, ils ont bongoté, ils sont pas chrétiens, ils ont bongoté. Pourquoi? Quand ils ont dit qu'il n'y a pas d'habitude, il y a des sandales. Pourquoi ils n'ont pas dit non, mais au moins ils sont athées, tout ça, musulmans, ils sont pantouflés. En fait, il faut dire une chose. Lorsque l'État n'a pas les moyens de sa politique, l'État n'a pas d'obligation à donner aux gens. L'État a des lignes directrices à donner. L'État dit, par exemple, que nous voulons discrimination et athées. Ok, discrimination et athées, oui. Ça, c'est d'un point de vue normal. Parce que les gens pensent que la discrimination, le fait, il y a quand l'église catholique, quand les catholiques n'est pas un enseignant, les gens disent qu'ils ont une discrimination. Les gens font encore même, si vous voulez, un faux raccordement. Pourquoi l'église catholique, pourquoi enseignant catholique, mais élève catholique? Non, il faut qu'on se le dise. L'église a d'abord construit l'école pour naïe. Pour la bananaye, ma fidèle na bango. C'était d'abord l'idée première. C'est l'État congolais, l'État zaïrois, voyant la qualité de l'école catholique, n'a senga qui m'a fungolé, n'a pas de batounyoso. Moi, j'étais chassé à l'école, n'a pas Christian Bosembe. Ma benga n'a pas songa lianja. Pour n'a pas de cause, n'a je vous salue, Marité. Tout ce qui est leurré, et ça, y'a bango, y'a bongo. Pourquoi tu s'y gratté, ben, n'a pas de cause, n'a pas de maman Marie Yakuna. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui est changé. Mais bisous, t'entends quoi, l'école catholique, toi qui n'as messe, moi, quand on a ça, là, ceux qui, soit le mois, soit la semaine, je ne me rappelle plus encore, et ça fait au moins plus de 15 ans, Natanga n'a pas de quoi. Dans l'église catholique, à moins qu'elle ait changé, mais bazar n'a pas messe. Chaque rentrée, messe y a rentrée. Chaque même fin de l'année, paix. Tandis que nous, ça, la messe, moi, à la fin de l'année, beaucoup, ça, la messe, ce qui est un remerciement, ce qui est le renouveau, nous, on a, nous, ça, là, un mot. Bisous, tout ça, qui est la messe, moi, il y a jeudi, vendredi, ça, que je ne comprenais pas du tout. Moi, on a beaucoup mis un combat spirituel à l'époque, hein. Il y a un combat spirituel. C'est-à-dire, aux autres, on a un gambozo qui est dedans, ça veut dire, aux autres, comprendre, on même pas. Trop, il y a une grotte. Beaucoup, il y a une grotte. Bozongi, pé. Cours, il y a religion, t'as qui, et, on t'en a fait, ça, bisous, cours, il y a religion, à l'époque, t'as qui, monsieur l'abbé, il fangait. Cours, il y a religion. Monsieur l'abbé, il fangait. Marie, dont on n'en parlons même pas. Saint-Pierre, qu'on ne quand même pas. Surtout ma journée canonique, on n'essayons même pas. Alors, pourquoi nous n'avons pas été durs avec eux en ce moment-là? Tant que nous sommes enseignants, mais ils ont la raison. En fait, je peux vous garantir, je ne suis pas catholique, moi. Je ne suis pas catholique, je ne prie pas chez les catholiques. Mais ils ont raison de leur dire ce qu'ils disent là. Ben, la raison. Aujourd'hui, le niveau de l'enseignement église catholique est baby, non? Qui ne le sait pas que niveau église catholique est baby? À l'époque, église catholique, mais c'est la référence. Lorsque vous rencontrez un enseignant catholique, mais vous dites, oui, ce gars est formé. Mais aujourd'hui, c'est de la bouillardise. N'importe qui devient enseignant catholique. N'importe qui devient enseignant catholique. N'importe quoi, c'est n'importe quoi, tout est éouana. Alors, on est en train de vivre une sorte d'œcuménisme dans l'église catholique. Et le clergé, le pasteur de l'église, est dans le droit de refuser ça. Ne m'amenez pas dans les considérations politiques, ce n'est pas mon affaire. Je suis en train de parler classe, école, ça s'arrête là. Mais là, on a vu, oh, il est pour, il est contre, c'est pas mon problème. Moi, je suis en train de parler d'une école catholique. Certaines légèretés. Et comme une école catholique, à l'époque, on ne badinait pas. École catholique, tant que tu as une école catholique, hein, on enfile un andakou. Tu enfiles déjà à partir de la maison. Parce que si tu as un frère,
na frère na nzela ozana chemise za bimili banda mais vous avez un problème au sakanate. Vous avez un problème au sakanate. À l'époque on avait les travaux manuels. Travaux manuels c'était des choses qui nous aidaient au fait. Éducation physique, cours en morale, cours en civisme, mais il n'y a pas un établissement qui enseignait mieux le cours école catholique. Parce qu'il y a rigueur moi au sakanate. Église école catholique bana bando ko bandela pas bandela na civisme. Moi na bandeli. Cours en religion aux UT mon zone katé. Parce qu'aujourd'hui, on suppose que tu n'es pas équilibré. Mais on les lots, ce n'est plus le cas. Et l'évêque, je crois le pasteur de l'église, s'est rendu compte que oui, c'est vrai que le niveau est au rabais. Maintenant, il faut élever le niveau. Moi, ce que je vais dire à mon Seigneur Ambongo, avec tout le respect que je vous dois, son éminence, je ne crois pas à tout ce que vous dites. Non, je ne partage pas tous vos points de vue. Mais sur ces coups-là, je suis totalement d'accord avec vous. Et je vous demande même d'aller plus loin que ça. Ça veut dire, qu'on a un pourcentage. Maintenez la position. À compétence égale, l'Église catholique prend la place. Ce n'est pas un sacre de la médiocrité, non. Maintenant, discrimination, c'est la discrimination. Là, ce n'est pas une discrimination. La discrimination, c'est lorsqu'on a bien noté. Pourquoi nous favoriser Batumusus par exemple? Mais quand ça m'appartient, ça nous appartient. C'est nous qui avons la vision. C'est nous qui avons les meilleurs établissements, les meilleures infrastructures pour l'école. Qui peut aujourd'hui s'égaler dans l'église catholique? Et c'est quoi, vous bouffez l'argent des gens et vous ne faites absolument rien. Tout ça, je ne suis pas dans ça. Ça, c'est pas le sujet, mon sujet. Mais en termes d'église, disons en termes de contribution matérielle, je ne dis pas spirituel. En termes de contribution matérielle, aucune église ne peut se comparer à l'église catholique. L'église catholique est représentée dans la structure, l'État commis même pas. L'église catholique à Zali. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où l'église est mieux représentée, suffisamment représentée que l'État lui-même. Alors, beaucoup de respect quand vous parlez à cette église, beaucoup de respect. Vous ne pouvez pas partager leur foi, ils ne vous demandent pas d'ailleurs de partager la foi. Mais seulement, dans ma valeur, dans Bango, vous respectez Bango. Ceux qui bolingi vont ça la contrepoids à l'église catholique, créez vos écoles et mettez la qualité. Obligez que la qualité soit à la Bango 5 ans plus tard, 6 ans plus tard. Tout à la banne, tu n'as pas la bino, tu n'as pas le niveau nini. Qui ne connaît pas que Bobo, tu es là plusieurs fois meilleure école dans le Congo? Qui ne connaît pas que lycée Bossang, même en terme, il y a lauréat. En terme, il y a lauréat. Il y a lauréat mini collègue. Même le niveau qui est bas comme ça, même à le niveau de l'économie de Soukabou, qui est dans l'église catholique, on ressentit. Hein? Même à le niveau de l'économie de Sebo, de Tinate, de Bébibo, qui est dans l'église catholique, coup de chapeau. Moi, j'étais invité dans, je sais pas moi, lycée Bossangani, sur la micro-cité, lycée Bossangani, lycée Kabamba. Oh, mais franchement, j'ai entendu des jeunes dames parler, mais waouh! Quelle pertinence! Des petites filles, hein? 9 ans, 10 ans, 13 ans, tout ça. Mais tu sens, tu dis, waouh! Mais quel! Ça dit, moi, dans la diction, dans ma petite. Diction, pénée à Lyon, à ceux, à petit. Tout ça. Au Evandi. Mais, quand on a l'école, on a dit, il y a pas, il y a quoi à venir. Moi, on a vu un prof, il y a Jean. Il y a Jean, il y a Kananouko. Moi, on a vu dans la classe, au Rossi Sango, dans la classe. École catholique. Ah, mais vous blaguez? École catholique. Oh, bah, oh, aussi, c'est un go. Le, mais peut-être, il y a les lots. Bon, le rabbin, il y a Jean, il y a papi, comment peut-être ma cour? Mais sur notre époque, il y a Jean, il y a papi, nous, notre époque, c'était messieurs. Messieurs tel. Et puis, il y a comment on a un boca? Messieurs tel. Mais ouais, les lots, il y a Jean, il y a papi, il y a Rodrigue. Enseignant Rodrigue, comment on est Rodrigue? Il y a Rodrigue, enseignant. Vous voyez que c'est assez compliqué, quoi. Donc, c'est une légèreté terrible. Élève à quelle école, les lots. Élève à quelle école, à quelle classe que n'amateur, le roi Moutagé studio. À enfiler pantalon dans la quête. Plutôt de bien enfiler des chemises dans pantalon. Et à enfiler pantalon dans la quête. Tu vois, là, tu es. Ceinture à quitter, on a souffert. On dirait Moutana problème. On dirait prisonnier à Guantanamo. Toi, on dirait Moutumora Abib, prenez-moi, ne me faites rien. Ou bien Moutumora, le roi, otage, il y a 1945. Il y a un autre qui est étudiant. Je suis élève, le cadre de demain, Mouta modèle. Église catholique. À l'époque, église catholique, ben, les élèves, quand vous allez à l'école, ben, vous apprenez beaucoup de choses. Aujourd'hui, la conversation de nos jeunes gens, c'est la pornographie. Et tandis, le téléphone, le roi Likambu.
la playlist, porno na porno. Mais quand nous on grandissait, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. N'école catholique, je me rappelle que aux allemands on a mon condi, aux allemands on a mon gamba, et ben d'accord, banaté. Mais son nio son abat jupe, n'abat culotte, n'a sandal. Et bara tete bao bao, oh, n'abat longoli oh, et bara tete bao bao. Ben là qui ne m'a bien ouvert peut-être. Mais on a dit n'a mon amour, c'est n'a mon bal donc est salon. Mais surtout salon manco. Bon, vendi m'a au cool, la bino mutu pena et bara tete, c'est milinga. Tongo bi malatongo, yo kabino tout le gars esquimo. Mais on a beaucoup travaillé l'école. C'est, l'école pouvait dire aux gens, on n'est pas venu pour être de beau ici. L'école en ce moment-là ne célébrait pas la beauté. L'école en ce moment-là célébrait les valeurs et la bonté. L'école nous apprenait à être humble, à s'effacer, à vivre comme tout le monde. Mais les lots, ce n'est plus le cas. Nous constatons avec amertume la mort de l'État, le génocide intellectuel. Monsieur le cardinal, son éminence, récupérez la gloire de l'Église catholique. Les 30 prochaines années seront glorieuses. Mais si nous laissons ça comme ça, eh bien, Dieu nous posera la question, qu'avez-vous fait de ce que je vous avais donné? Alors jouez votre partition. Ne suivez pas des Congolais, mon Seigneur. Ils racontent toujours, mais ne font rien. C'est des gens qui vont parloter, parloter, parloter. Resserrez la sécurité. Ah, Église catholique, à l'école catholique. École catholique, vous voyez que ça, là, deux semaines après rentrer, vous voyez que ça, l'inscription, va mourir. Balobité beaucoup tâté aigu. Ah non. Les lois, deux semaines avant la fin de l'année, au Conti. Ah ça combat tout langa. Kamboté. Mais toi, quel jour est Simba. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Balobi plus précisément la carte à Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Et toi t'es gagnant ça. Biloko yaye. Yaye 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 Congolais. On y dit n'est qu'on a yo. A sa li sa yote. Pour la Corée la yo. Moko ma bonne la yo. Pour la Mtoto la yo. Moko yaye lei. Pour ma bonne la yo. Balobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mon commandant n'est pas là t'es pas là t'es pas là y'a un boca y'a fraise y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour la mon canja isali parobi nous sommes où y'a rien et Cuba paniwa parobi entente isali ça commence à y'a tu es un poto y'a un bisela parobi n'y'a pas y'a beaucoup y'a beaucoup beaucoup de tragane tragane gando de galari na base. Où allons-nous?